Visite à un peintre dans son atelier niçois. Il se partage en général entre la Toscane, Paris et Nice. Il s'agit de Daniel Schinazzi. Il aurait pu être prince vénitien. Il est peintre de Toscane, nimbé du charme égyptien de son pays natal. Il a regardé les anciens et les regarde toujours. On a beaucoup à apprendre encore de ces grands maîtres de la Renaissance. Daniel Schinazzi, lui, est un passionné. Ce qui l'inspire, c'est le mouvement, l'homme, la vie. S'il peint souvent des tremblements de terre, c'est parce qu'ils font partie, avec la guerre et les persécutions, des calamités subies par l'humanité. Le tremblement de terre met en relief la puissance de l'homme et la dimension de l'homme envers l'univers, envers le monde. Schinazzi connaît parfaitement le secret des lignes et la décomposition du mouvement. Son itinéraire artistique l'a conduit vers le néo-futurisme. Le néo-futurisme, c'est le fruit d'une recherche après 38 ans, et où il y a aussi les futuristes, les cubistes, les néo-cubistes, mais c'est surtout dans un esprit nouveau et avec une philosophie nouvelle de la vie. Et ce n'est plus la machine ou l'évolution scientifique et technique qui doit avoir la première place, mais c'est surtout l'homme qui doit reprendre sa place dans la nature et entre les hommes eux-mêmes. Les symboles sont la base de l'inspiration de ce peintre hypersensible, tel le pêcheur qui incarne l'être humain en contact direct avec la nature, par la mer et le ciel. Le corps humain est une machine merveilleuse. Ses possibilités ne sont pas encore entièrement découvertes. Chez l'homme comme chez l'animal, ce corps produit l'énergie, l'intelligence et la pensée qui le propulsent vers la création. La peinture de Schinazzi est entièrement axée sur la représentation de l'âme humaine. Ses études sont des hommages lumineux aux travailleurs. Est-ce qu'il est facile d'être la femme d'un artiste? Pas du tout. C'est passionnant, mais pas facile. Mais quand même, il y a des journées magnifiques et à côté des journées vraiment terribles. Parce que ça dépend de la personnalité du peintre. Si c'était à refaire, vous rechoisiriez le même homme, le même chemin? Absolument, oui. Parce que je n'aime pas la vie monotone et avec lui, la vie n'est pas monotone et très riche. Au contraire. Actuellement, l'artiste travaille à Pise, dont il décore la gare de murale. Offrir l'art aux gens dans la rue est pour lui une joie inestimable. Ce projet-ci est à l'étude pour la gare de Nice. Autre symbole, le chapeau. Il protège et met en évidence les yeux. Il est indispensable au soleil. Pour moi, le chapeau est important. Déjà, dans notre tradition juive, le chapeau, on le porte quand on va à la synagogue. Alors, on les garde chez nous, on aime acheter des chapeaux, et puis quand il vient des amis, on s'amuse à les mettre. Voilà, je n'ai pas de chapeau à vous offrir, mais j'espère que cette visite vous a plu. La semaine prochaine, nous irons au MAMAC pour voir l'exposition consacrée au collage du XXe siècle. Merci Suzanne.